Cela fait un bon petit moment que j'essaie de me procurer un super bon smartphone. Mais bon, le problème aujourd'hui, c'est que ça coûte de plus en plus cher. Et bien aujourd'hui, je vais te présenter un super concept puisque j'ai cet iPhone X pour seulement environ 39 euros par mois. Et tout ça par Mobile Club. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui, je vais franchement te présenter un super concept. D'ailleurs, en plus de ça, c'est français. Comme je te l'ai dit, en fait, les smartphones valent de plus en plus cher. D'ailleurs, si on regarde, eh bien, du côté de la pomme, le dernier iPhone est à environ 1700 euros. C'est énorme. D'ailleurs, cela reste mon avis. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires, mais je ne comprends pas forcément, en fait, les personnes qui vont s'acheter un smartphone qui vaut un peu plus de 1000 euros, ce qui est juste énorme. Surtout que lorsque tu vas ouvrir, en fait, la boîte, tu vas enlever le blister et tout, le côté neuf, eh bien, tu vas déjà perdre 30% de sa valeur. Sachant qu'en plus de ça, comme on peut le constater, c'est que le marché mobile, eh bien, il évolue très rapidement et que les personnes changent très fréquemment, en tout cas maintenant, eh bien, de smartphone comparé à avant. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis vraiment mais trop content, eh bien, de te présenter le système de la location de smartphone. Regarde-moi ce beau petit bijou. Oh là là. Je suis vraiment mais trop content de te présenter cet iPhone X aujourd'hui. Et surtout, c'est un smartphone, eh bien, qui est en location pour environ 39 euros par mois. Ils ont plusieurs smartphones tels que l'iPhone 7 pour environ 19 euros et l'iPhone 8 pour environ 24 euros par mois. Et ça, c'est super intéressant. Donc tout ça, comme je te l'ai dit, eh bien, sans engagement. Et bien entendu, sur leur site internet, tu peux même choisir, eh bien, le stockage que tu souhaites sur ton iPhone. J'ai pu me renseigner, ils vont aussi sortir prochainement donc le Samsung S9 et le S9 Plus. Ainsi que l'iPhone XS, XR et XS Max, puisqu'en fait actuellement, eh bien, sur leur site internet, tu peux retrouver que des iPhones. Mais cela va changer très vite. Avant de te montrer tout ça, que ce soit le smartphone et un packaging, mais vraiment complètement ouf et innovant je trouve, eh bien, je tenais, eh bien, te dire que ce sont des smartphones reconditionnés, c'est-à-dire qu'ils sont remis en état. Donc ça aussi c'est, on va dire, un côté aussi écolo. Donc pourquoi pas, sachant que la qualité de la batterie est vraiment bonne. J'ai pu bien entendu tester cet iPhone durant un bon petit moment. Une belle protection bien entendu est fournie et qui a une assurance cassé vol. Allez, c'est parti. Et ce concept donc est proposé par Mobile Club. Regarde-moi ce packaging, il est dingue. On va voir ça juste après. Donc il s'agit d'une entreprise en fait française qui propose donc, comme je te le dis depuis le début, eh bien, la location de smartphones. Et on se retrouve directement sur leur site internet. D'ailleurs, le lien de leur site est dans la description de cette vidéo. N'hésite vraiment pas à aller checker. Je trouve que le concept est vraiment ouf. Le smartphone de vos rêves, donc dès 19,90 €. On va cliquer donc sur « Je rejoins le club » puisqu'on va prendre l'exemple que j'ai pris ici. Il s'agit donc en fait d'un iPhone X, donc à 39,90 € par mois avec assuré casse et vol. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux upgrader. C'est-à-dire que si tu commences avec l'iPhone 7 3-4 mois et après tu souhaites directement de passer à l'iPhone X, eh bien c'est possible. Voilà, ça demande, il n'y a aucune contrainte à ça, puisque comme je te dis, il n'y a aucun engagement. Donc en fait, à tout moment, tu peux même passer de l'iPhone X à l'iPhone 7. Et donc ici, loué pour 39,90 €. Donc comme je t'ai dit, sans engagement, assuré casse et vol. En cas de sinistre, donc nous remplaçons votre appareil en 48 heures. Donc, c'est assez dingue. Et le changement à volonté. La couleur, capacité, modèle, tout est possible. Enfin vraiment, tu fais un peu comme tu veux. Et donc forcément il y a une assurance casse et aussi une assurance vol comme on peut le voir de toute façon sur leur site internet. Alors c'est très simple en fait, il suffit donc d'aller sur leur site, de déclarer donc le sinistre et bien entendu bah, comme il a indiqué, de payer forcément la franchise. Et si on descend un peu plus bas, bien entendu on va retrouver les caractéristiques eh bien, de cet iPhone X. Donc ça t'évite vraiment déjà d'acheter à chaque fois eh bien, plein de tarifs le smartphone ou de faire un engagement sur 24 mois. Là vraiment t'as une stratégie je trouve pour une grande partie des personnes qui aiment beaucoup tous les récents smartphones et qui n'ont pas forcément bah, les moyens de pouvoir en tout cas acheter un smartphone haut de gamme. Et bien là franchement je trouve que tu as une solution mais vraiment cool. Et voici donc la partie déballage du produit et tu vas voir, tu ne seras pas déçu parce que franchement un packaging de fifou, c'est assez dingue. Alors j'ai juste enlevé ici donc bien entendu mon adresse, de toute façon c'est pas très intéressant. Et comme on peut l'apercevoir ici, nous avons des petites languettes, c'est très important puisqu'il y a, on va dire, un ordre pour ouvrir en tout cas cette boîte là et le packaging est monstrueux. Je vais donc tirer la languette numéro 1, tac. Oh là là. Attention. Hop. Et donc ici,
En fait, suffit juste d'ouvrir après. Et regarde-moi ça, comment ils ont vraiment bien travaillé leur packaging. Mobile Club. Tac, j'ouvre. Et donc sur la droite, nous avons donc l'iPhone X. Et sur la gauche, regardez comment c'est bien fait. Une petite conversation. Il y a un peu d'humour aussi. Et c'est assez sympa, franchement, que cette entreprise française, eh bien, innove. Moi, bien entendu, j'ai pu tester cet iPhone. Donc, comme on va l'apercevoir, donc forcément, eh bien, tout a été un petit peu paramétré. On a une petite languette. Donc, suffit de tirer, hop, la languette. Et je vais pouvoir donc récupérer l'iPhone. Alors, petite chose, petite information. Il y a un verre trempé. C'est très très important puisque franchement ça va protéger aussi bah, forcément l'écran de ton iPhone. Donc ça c'est fourni avec. Et là aussi petite conversation. Je pose donc le smartphone. Alors il vous plaît? Oui, attendez, c'est pas fini. Ah bon, il vous reste donc deux côtés à ouvrir. Retournez le coffret et tirez les languettes 2 et 3. Voilà, puisqu'il y a quand même un ordre, c'est très important. Et ici, une trappe secrète, l'aventure continue par ici. Possibilité de scanner QR code. Ok? Alors là. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, mais déjà, bien géré. Hop, et donc là aussi, on enlève. Nous avons donc aussi une conversation. Et nous avons donc le câble Lightning, qui est plutôt sympa, qui à mon avis va bien résister dans le temps. Et le bloc d'alimentation, tout simplement. Nous avons aussi à l'intérieur, ce qui permet de tout simplement retirer le petit slot pour insérer après par la suite ta carte SIM. Et donc ici aussi un petit message. Enfin, c'est vraiment mais super bien travaillé quoi. Et donc là, nous avons donc la partie 3. Ok. Hop, donc c'est vraiment facile. Et puis, je trouve ça assez drôle le concept. Franchement, c'est sympa. Et boum, nous avons donc ici, petit cadeau, voici une coque de protection pour que vous sortiez couvert. Donc une belle protection d'ailleurs assez sympa. Donc globalement, on se retrouve avec l'iPhone X, verre trempé. Et puis une belle protection fournie avec. Alors... Pour montrer très rapidement, petit test très rapide, on va dans les réglages et puis dans l'état de la batterie, comme on peut voir ici, capacité maximum 94%, puisque Apple nous donne en tout cas ces informations-là. Ça veut dire que globalement ici, j'ai ce téléphone eh bien, en location, mais surtout que ce téléphone-là est en très bon état, déjà au niveau de sa batterie. C'est quelque chose que beaucoup de gens craignent et donc ici, en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire. Okay. Sachant que j'ai pu beaucoup utiliser en tout cas eh bien, cet iPhone X. Et j'ai pu prendre pas mal de photos, j'ai pu m'éclater à pas mal d'événements. Voilà, aucun problème, on se retrouve donc avec un iPhone X en très bon état. J'ai pu aussi bien entendu bien geeker à certains jeux avec, puisque bah, forcément on se retrouve avec un téléphone assez performant qui te permet de jouer à des jeux, de naviguer très facilement en tout cas sur internet. Donc c'est vraiment sympa, j'ai été vraiment en tout cas très surpris. Vraiment ce côté aussi où il y a le verre trempé et la protection, c'est toujours un bon petit plus. Donc voilà, j'utilise donc aussi Instagram forcément très fréquemment avec, enfin voilà, aucun problème, franchement tip top. Et donc je voulais aussi te montrer bien entendu sans la boîte, enveloppée en carton, puisque c'est bien protégé. Voici à quoi ça ressemble en fait, donc c'est tout bleu, Mobile Club, vraiment très sympa, c'est quelque chose je pense que à garder, voilà. Et puis de toute façon quand tu vas renvoyer après le produit, puisqu'il n'y a pas d'engagement et tout, bah tu le renvoies tranquillement. Et tu remets le téléphone et tout dans sa boîte. Donc ça c'est assez sympa. Franchement bien joué de leur part. Tu peux donc stopper l'abonnement à tout moment puisque c'est sans engagement. Tu peux retrouver un peu tous ces iPhones et tous ces autres smartphones aussi qui vont arriver comme des Samsung très prochainement. Donc je trouve le concept hyper hyper intéressant pour celles et ceux qui souhaitent changer fréquemment de smartphone par exemple, ou alors tous les 6 mois ils souhaitent upgrader, d'avoir des smartphones un peu plus récents et un peu plus puissants en fonction eh bien, de leurs besoins. Et surtout je trouve que ici la location de smartphone eh bien, va s'adapter un petit peu à tous les budgets. Regarde-moi l'état de l'iPhone, vraiment en excellent état. Et si jamais donc tu as un souci quelconque avec un de leurs smartphones, eh bien ils te le changent au bout de 48 heures. Donc ça c'est vraiment un bon point, sachant que si jamais tu leur poses une question, ce que j'ai testé aussi, eh bien ils te répondent sous 24 heures. Donc ça aussi c'est cool, et puis surtout bah, c'est le côté français. En tout cas c'est vraiment quelque chose qui se démocratise de plus en plus, que ce soit même pour des ordinateurs, voire d'autres produits hein. Au final la location, j'ai pu en parler avec pas mal d'amis, ou au final même des machines à laver et tout, tu peux retrouver en location, comme ici avec Mobile Club, eh bien les smartphones. Et ça, j'ai vraiment kiffé le côté aussi français. D'autres côtés, après, ça va vraiment, je dirais, dépendre des personnes, de leur utilisation, si stratégiquement, ils ont réellement besoin aussi de prendre un smartphone avec un abonnement. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo.
fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.